Voilà, donc c'est le collectif Cœur de Tricot qui est le club tricot de la médiathèque de Thiers. Oui, dans les médiathèques, on ne fait pas que lire ou écouter de la musique, on peut aussi venir tricoter. Donc c'est ce collectif-là qui, depuis plusieurs semaines, a réalisé un certain nombre de pièces de tricot de couleurs. Et aujourd'hui, on assemble ces pièces pour habiller l'espace public. Sur la place Antonin-Chastel, on va habiller des arbres, des bancs, des pots de fleurs. Voilà, il faut qu'on on montre à l'extérieur ce qu'on sait faire. Alors il y a beaucoup d'heures de travail et puis beaucoup de tricoteuses. Hein. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est déjà le résultat d'un travail collectif qui a été fait l'an dernier et qui a été exposé sur la place au mois de juin. Voilà, on a tricoté de l'eau l'an dernier et cette année on a tricoté de la végétation. On va essayer de donner un peu de chaleur à ces pauvres arbres. Dites qui vous êtes. Les élèves du lycée Mondory. C'est vous qui avez tricoté ? Oui, c'est quelques élèves du foyer qui sont portés volontaires. Je m'appelle Ludovic Rolio et je suis en BTS NRC deuxième année. Basiquement, c'est ma copine donc, qui m'a incité à tricoter. Puis au fur et à mesure, j'y ai pris goût. J'ai fait énormément de carrés, donc de couleur verte et de couleur blanche. Et donc on m'appelle le tricheur parce que j'ai utilisé une machine à tricoter en fait. Donc il y a un carré que j'ai fait moi-même avec des aiguilles et après le reste je l'ai fait à la machine à tricoter. Ça nous a permis donc d'obtenir un grand nombre de carrés assez rapidement. Ah, c'est pas une passion mais c'est vrai que c'est assez intéressant et que je pense plus tard ça me permettra de faire quelques vêtements pour mes enfants, qui sait.